En mission officielle à Kinshasa, capitale congolaise, siège des institutions, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Matiabidi a participé au 3e forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en République démocratique du Congo, organisé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le mot de bienvenue du ministre national de la Santé, Dr Roger Kamba, s'en est suivi des exposés axés sur les thématiques inscrites au programme du jour. Deux grandes parties ont caractérisé cette première journée. Il s'agit de la photographie de la situation vaccinale de la République démocratique du Congo et les déroulements de travaux en groupe qui a constitué la deuxième phase de ce forum. Autour de la table du Kasaï oriental, Excellence Patrick Mathias Kabeya Matiabidi, le président Athanase Kabongo Kalala, le ministre provincial de la Santé Maurice Mongi et le chef des divisions de la Santé Bonheur Tshitekou ont réfléchi sur des questions relatives à la vaccination au Kasaï oriental. Nous sommes venus à Kinshasa assister au 3e forum sur la vaccination et l'éradication de la polio en République démocratique du Congo, organisé par la présidence de la République. Oui, c'est une occasion pour la province, parce que nous avons des problèmes depuis le dernier trimestre de l'année 2022. Nous connaissons un problème avec la conservation et les vaccins. Alors c'est une opportunité pour nous, comme on a les différents partenaires du gouvernement dans ce domaine. Nous avons déjà commencé à échanger, notamment avec le programme national, mais aussi avec Gavi qui a assisté à nos échanges de cet avant-midi. Le Kasaï oriental est en train de remonter, comme on l'a montré les statistiques. On était en tout cas en descente, nous sommes en train de remonter. Mais également, il y a certaines données actualisées qui vont être mises à la disposition de l'équipe nationale pour, encore une fois de plus, montrer que le Kasaï oriental, surtout pour cette année, a fait vraiment des avancées dans le domaine de la vaccination. Il y a 26 provinces et le Kasaï oriental n'est pas dernier. Donc c'est un choix qui s'est fait en fonction des moyens. Mais je peux déjà vous informer que nous, dans le programme actuel qui est mis en place avec le nouveau modèle du MOU, le Kasaï oriental est intercepté dedans. Il faut noter que la première édition du forum sur la vaccination avait eu lieu en l'an 2019. Il est également important de souligner que l'État congolais s'est fixé l'objectif d'atteindre d'ici 2027 au moins 75% de couverture vaccinale complète pour les enfants complètement vaccinés avant leur premier anniversaire. Cet engagement au plus haut niveau de l'État s'est accompagné de la mise en œuvre d'innovations au sein du programme élargi de vaccination de routine dit Plan Machako.